Oh mon dieu, ça y est! L'accès bêta est désormais quasiment ouvert à tout le monde. Ils ont massivement envoyé des requêtes. Il y a également le serveur public de test qui est ouvert, qui est disponible pour tout le monde. Dans cette vidéo, on va prendre 2 minutes pour expliquer rapidement 1. Comment accéder au royaume public de test, ce qu'il y a dedans. Ensuite, comment accéder à la bêta et qu'est-ce qu'il y a dans la bêta, parce que les versions ne sont pas les mêmes forcément et tu ne sais pas forcément ce que c'est. Et puis voilà, c'est pour partager la bonne nouvelle. C'est parti. Le royaume public de test, public test stream, ouvert à absolument tout le monde. Pour y accéder, je te montre rapidement, tu vas voir, c'est incroyable. Il suffit de te rendre au niveau de ton compte Battle.net, au niveau de tes jeux et abonnements. Tu cliques en bas là, tu vas créer un compte RPT, tu vas dessus. Ok, tu vas dessus, tu fais clic, tu fais créer un compte RPT. À partir de là, tu iras sur ton launcher, comme toujours, comme quand tu te connectes de bon matin. De bon matin, voilà ton réflexe. Tu vas sur Go, tu vas sur le launcher, et là, bim, tu auras dans ta dropdown, compte public de test, tu peux aller dessus. Qu'est-ce que tu auras là-dessus? Qu'est-ce que tu auras sur ce compte? Attention, transition incroyable. Hop là! Pouf! Incroyable. Bref, qu'est-ce que tu auras là-dessus? Dessus, tu auras le level squish. Squish, ça veut dire rétrécir, ça veut dire que ton personnage 120, il va devenir 50. Youhou! Mais t'inquiète pas, tout est ajusté à partir de ça. Tu vas pouvoir du coup tester ta classe de façon remaniée version Shadowlands, avec les nouveaux talents, les modifications de classe, etc. Tu vas également ne plus avoir de corruption. Ça y est, on lui a cassé la gueule, il est mort, and that, c'est réglé. Plus de corruption dans le monde. Donc là, il y aura plus de corruption, donc tu pourras tester également le gameplay de ta classe 100. Et également, tu vas pouvoir tester l'événement entre les deux. C'est-à-dire que du coup, il y a une histoire, hein, tout n'arrive pas comme ça. Il y aura une petite histoire que tu vas pouvoir tester en allant sur le public test stream. Donc en gros, juste en faisant une modif au niveau de ton compte, tu peux 1. Te connecter dessus, 2. Y mettre les personnages que tu veux avec un système de copie, 3. Voir comment ta nouvelle classe sera, et 4. Tester la nouvelle, grande ligne de quête, la suite de quête. Passons désormais à la bêta, parce que sinon, mes 2 minutes, je vais pas les tenir. Bêta. Donc les accès bêta sont ouverts depuis très très longtemps, mais à un nombre limité de personnes. Oui, donc potentiellement, tu n'avais pas accès. Là, peut-être que tu les as. Ils ont ouvert massivement. Je t'invite à checker ton launcher et aller directement sur la bêta pour casser la gueule à tout le monde. La bêta, elle contient quoi? Elle contient des versions de Shadowlands. Donc actuellement, toujours évidemment en cours de développement, mais il y a déjà beaucoup de choses. Il y a les légendaires, les conduits, les systèmes de congrégation, les suites de quêtes, les quêtes mondiales, les donjons, les raids. Enfin, non, les raids vont vite fait, parce qu'ils sont pas toujours ouverts. Mais dans l'idée, il y a quasiment tout le contenu de la prochaine extension de Shadowlands. Pour y accéder, soit tu as déjà les accès, tu as déjà fait ta demande et tu l'as déjà sur ton launcher. Si tu ne l'as pas, il y a juste un petit lien. Je te le mets en description, je te le mets en top commentaire, tu cliques sur le petit lien, tu vas faire ta demande. Ils vont ouvrir encore plus massivement. Donc même si tu l'as pas reçu maintenant, il y a quand même de bonnes chances que tu le reçoives bientôt. Et on pourra aller casser la gueule à tous les nouveaux donjons de la bêta. Voilà, voilà pour la vidéo. Donc c'était très court, c'est une vidéo avec un petit thé matinal, voilà, un petit thé vert matcha infusé. Je me suis dit, allez, donc on verra massivement, je vais faire une petite vidéo, très courte, très peu montée cette fois-ci, juste pour partager la bonne nouvelle. D'ailleurs, en termes de nouvelles ou d'informations, sache que j'ai un serveur Discord sur lequel tu peux venir discuter, tu peux venir chill, tu peux venir proposer des idées de vidéos, tu peux venir t'informer de l'actualité, parce qu'il y a beaucoup de trucs d'actualité que je partage dessus, poser des questions, enfin faire absolument ce que tu veux. Il y a le lien également qui est juste en bas en description et en top commentaire. Je te souhaite une excellente journée, kiffe bien, prends bien soin de toi et dis-moi si t'as reçu ces accès bêta en commentaire. Tchou.